Lucie était-elle encore un singe ou était-elle déjà humaine? À partir des fragments de son squelette, les préhistoriens tentent de reconstituer la vie des Australopithèques qui peuplaient la Terre il y a plus de 3 millions d'années. Pour les archéologues, l'expérimentation fait revivre le passé et ouvre de nouvelles pistes. Les chercheurs comprennent mieux aujourd'hui comment Lucie marchait, ce qu'elle mangeait, et même comment elle donnait la vie. Déjà, il y a des idées un peu reçues qui sont, en ce qui concerne l'accouchement, que l'accouchement des Australopithèques devait être de type singe. Chez un grand singe, comme le chimpanzé, l'accouchement est très facile.